Pour une longueur d'environ 77. Le fail. Donc, nous voilà pour le test de tir de la M4A1, la Colt M4A1 King Arms. King Arms justement. King Mode. Putain. Je pense que je couperai ça au montage. Salut tout le monde et bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo de présentation de réplique. Aujourd'hui, on s'attaque au nouveau Colt M4A1 Key Mode de chez Cybergun. Donc Cybergun que je remercie bien chaleureusement pour m'avoir fourni cette réplique afin de pouvoir vous en faire la vidéo de présentation. Et comme j'ai l'habitude de procéder, on va faire une partie sur les caractéristiques de la réplique, une partie sur ses avantages et ses inconvénients et un test de tir pour terminer la vidéo. Donc on commence sans plus tarder par les caractéristiques. Alors au niveau des caractéristiques, commençons déjà simplement par le contenu du pack. Donc la réplique vous est livrée donc avec un pack assez complet. La réplique, deux chargeurs ICAP, donc chargeurs ICAP très classique métal d'à peu près 350-400 billes chacun. Vous est fourni avec ça une batterie 8,4 volts avec son chargeur de batterie. Attention, un chargeur de batterie sans aucune indication, donc il faut un chargeur de batterie à surveiller, à ne surtout pas laisser charger la batterie tout seul en surveillance parce qu'il n'arrête pas la charge, donc il faut faire attention à ça. Vous est fourni avec une tige de débourrage ainsi qu'une petite clé hexagonale pour manipuler les rails du Key Mode. Cette réplique est donc constitué principalement de métal et un petit peu de plastique en plus. Niveau plastique, c'est comme très souvent sur ces répliques, sur les répliques type M4, ces répliques de ce type là. La poignée, la crosse, le talon de crosse est en plastique. Le reste, à peu près tout le reste, que ce soit le rail, le canon externe, toute la carcasse est en métal, un alliage très certainement aluminium, très classique. On a donc ici une réplique type AEG, donc une réplique avec fonctionnement à batterie, d'un poids comme ça d'environ 2904 grammes et une longueur comprise entre 77 cm et 88 cm selon la position de la crosse. A savoir qu'elle existe aussi en version courte, là j'ai la version avec le rail long, il existe la version avec le rail court qui est un petit peu plus légère et qui a des dimensions un peu plus réduites. Pour un canon d'environ 390 mm de long en diamètre 6,08. Comme sur tous les types M4, bien classique, on a une crosse réglable. La crosse, il suffit d'appuyer ici en dessous pour faire varier la position de la crosse. Donc au plus court, ici, on doit avoir à peu près 6 positions pour arriver au maximum ici. On n'a pas trop de jeu dans la crosse, ça c'est bien, c'est rare. La crosse qui va cacher l'emplacement de la batterie, il vous suffit de presser les deux petites pièces à l'arrière qui tiennent le talon de crosse. Vous pouvez le retirer. Et ensuite, tout ça va vous donner accès à la connectique. Donc il y a le fusible et la petite Tamiya, la batterie que vous allez, une batterie type Nunchaku, que vous allez enfiler chaque élément, un élément de chaque côté de la crosse, branché, refermé, et c'est prêt à jouer. Comme tous les types M4, le réglage du hop-up se fait derrière la fenêtre d'éjection. Pour l'ouvrir, c'est simple, on chope le levier d'armement, on tire, ça ouvre la fenêtre d'éjection et on a la petite molette de réglage du hop-up qui se trouve ici. Ensuite, au niveau de ces organes de visée, on a de base deux organes de visée. Je vais essayer de vous rapprocher pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Voilà. Organes de visée qui sont donc rabattables. Ça, c'est bien, ça évite, si vous rajoutez un point rouge, de l'avoir en plein milieu de la tronche. Ils sont rabattables, qui sont amovibles. Chacun possède une vis, tac et tac, qui vient pincer sur le rail. Donc vous pouvez les enlever. Et ils sont tous deux ajustables. L'organe de visée arrière est ajustable en hauteur en tournant la bague qui est ici. Et ajustable en dérive avec le bouton qui est la vis qui est ici. Et l'organe de visée avant est ajustable uniquement en hauteur avec la petite bague qui est ici qui permet de relever ou de rebaisser la petite pointe. Voilà. Au niveau des autres spécificités très classiques de la M4, le bouton de chargeur ici qu'on va presser up pour enlever
le chargeur. Chargeur, comme je vous disais, qui est un banal iCap en métal très très simple, toujours entre 350 et 400 billes. La molette en dessous pour remonter les billes. La trappe qu'on va ouvrir pour alimenter le chargeur en billes. Hop, donc vraiment du iCap très classique et vous en avez deux. Le sélecteur de tir qu'on va trouver ici de l'autre côté, donc position safe, semi, full auto. Tac, tac, tac. Le cache-flamme, comme très souvent, est amovible et va vous laisser en dessous un pas de vis en 14 mm anti-horreur afin de pouvoir y mettre un amplificateur, un silencieux, enfin tout ce que vous voulez y mettre à la place. Attention, quand vous voulez démonter le cache-flamme, il ne suffit pas de le dévisser. Il y a une petite vis juste ici en dessous qui se manipule avec une clé hexagonale. C'est elle qui vient verrouiller le cache-flamme correctement sur le pas de vis. Il faut bien penser à l'enlever avant de le dévisser. Pour terminer dans les petites spécificités classiques, on a l'attache sangle, toujours ici, placée au niveau du au début du tube de crosse qui vous permet de fixer soit d'un côté, soit de l'autre votre sangle. Et ensuite, pour terminer sur l'aspect justement le plus important de cette réplique, ça va être la présence de ce rail Keymod à l'avant, qui est franchement, qui me réconforte presque un peu avec les types M4, qui donne quelque chose de très très agréable en main, et qui est donc, comme vous pouvez le voir, équipé de trois rails. Un petit d'un côté, le même petit de l'autre, et un gros en dessous. Normalement, il est fixé là de base, moi je l'avais changé parce que je l'avais un petit peu accessoirisé. Ces rails, donc, comme vous pouvez le voir, sont amovibles. Il vous suffit de prendre la clé Allen qui est fournie, de dévisser les vis, de faire la pivote, glisser le rail vers le bas pour pouvoir l'enlever, le remettre à peu près où vous voulez. Vous voyez que sur le rail Keymod, vous pouvez le mettre à 5 hauteurs différentes. Donc, et niveau longueur, il y a quand même de quoi accessoiriser ça et y mettre à peu près n'importe où comme vous voulez. C'est assez bien foutu, c'est assez agréable à nu en fait. À nu, c'est beaucoup plus agréable qu'un rail RIS standard, quoi, comme on a l'habitude. Et j'avoue que moi, ça me plaît assez bien. Pour terminer, quelques petits marquages que nous avons. Donc les magnifiques marquages blancs Colt à l'avant et sur la carcasse ici, avec 2-3 autres en plus. Les marquages semi-safe, full, tout ça. Un numéro de série. Et on a aussi un petit numéro de série qui est gravé ici à l'intérieur de la fenêtre d'éjection. Et pour terminer, niveau puissance, on arrive à une moyenne comprise entre 340 et 350 fps à la 0,20 g, ce qui est top, pour un prix qui tourne aux alentours de 280-300 €. Voilà, je pense que j'ai fait le tour des caractéristiques, on va faire les avantages et les inconvénients. Alors, au niveau des inconvénients, commençons dans le vif du sujet, je ne m'éternise pas dessus, les marquages blancs, comme toujours, bref, voilà, ça ne fait pas joli, honnêtement, c'est pas joli. C'est tout, il n'y a rien d'autre à dire. Deuxième inconvénient que j'ai pu lui trouver, comprise entre 280 et 300 €. Honnêtement, j'ai pas trouvé de grande justification à ce prix. Grand max déjà dans les 240-250, ça aurait été pas mal. Là, on commence presque à être un peu cher. Dernier petit inconvénient que j'ai à donner, c'est gentil de mettre deux chargeurs iCap. Mais je pense que quasiment tous les joueurs seraient d'accord avec moi. 4 mid-cap à la place. Voilà. Des packs d'origine livrés avec des mid-cap. Des chargeurs mid-cap sans coups. 100, 120 coups, 130 coups, 150 coups. Mais plus de chargeurs iCap, ce serait vraiment top. C'est bien de mettre plusieurs chargeurs. Mais tant qu'à faire, qu'on essaie d'arrêter les maracas et qu'on ait directement des mid-cap. Ensuite, niveau avantage, on a là vraiment, de base, un pack vraiment super complet. Ça reste des iCap, mais il y a quand même deux chargeurs. Ça évite à quelqu'un qui va débuter de devoir en racheter. Vous avez la réplique, la batterie, le chargeur. La tige de débourrage pour le nettoyage. Le pack est vraiment complet. Et gros avantage, il n'y a aucune modification à faire pour baisser la puissance. Elle tape dans les 350 FPS, donc elle sera acceptée partout sans avoir à démonter la réplique pour changer le ressort, pour baisser la puissance. À part peut-être certains CQB qui ne toléreront pas la réplique au-dessus de 330 FPS, là, que ce soit dans n'importe quelle ASOS, elle va passer sans avoir aucune modification à lui faire. Et ça, c'est plutôt pas mal.
C'est la première fois que je pose réellement les mains sur ce système KeyMod, que j'ai le temps d'y jeter un peu un coup d'œil, de voir un peu les sensations que ça fait. Et en fait, ouais, à nu, comme ça, on a quelque chose qui est beaucoup plus étroit qu'un Ryris standard. Vous voyez que j'en fais le tour à la main. Et en fait, on a quelque chose là qui est beaucoup plus agréable au niveau de la prise en main et qui, au niveau esthétique, change vraiment d'un banal Ryris, tout en étant, avec la présence des rails à rajouter un peu comme on veut, largement customisable, modifiable à son goût et ça change un peu, c'est plutôt agréable. Je suis sûr en plus que ça apporte une certaine légèreté parce qu'il y a quand même beaucoup moins de matière qu'un Ryss. Donc non, moi ce système KeyMod là, je suis vraiment, j'aime bien quoi. J'en ai terminé avec les avantages et les inconvénients. On va se faire un petit test de tir pour terminer la vidéo. Donc voilà pour le test de tir de la Colt M81 KeyMod de chez Cybergun. J'ai installé une cible à environ 40-45 mètres là pour le coup. Et en bille de 0,25. Puis on va voir un petit peu ce que ça donne. Bah, ma foi, 45 mètres, ça touche quasiment coup sur coup, quasiment aucun raté. Ma foi, c'est plutôt pas mal. Voilà, donc pour terminer la vidéo, comme toujours, avec mon petit avis personnel, on nous annonce une portée max de 59 mètres, on est plutôt près des 45, 45 grand max 50 mètres, ce qui, déjà pour une AEG en sortie de boîte, est pas trop mal, c'est du standard, on va dire. Bref, donc une portée plutôt standard, un moteur qui mériterait d'être à peine un petit peu plus péchu pour vraiment profiter au max des performances en sortie de boîte. Il faudrait vraiment un moteur un petit peu plus costaud. On sent qu'il a des fois un petit peu du mal, mais la réactivité est bonne, il n'y a aucun souci là-dessus avec la 8.4 d'origine. Bref, un pack ici vraiment vraiment complet pour quelqu'un qui va débuter, qui n'a pas envie de racheter des trucs à côté, il achète sa réplique, sa boîte, il a tout ce qu'il faut dedans pour jouer. Et pour les joueurs un peu plus confirmés, une bonne base, d'assez bonne facture, qui va mériter un petit peu d'upgrade pour avoir vraiment des performances beaucoup plus élevées, mais une qualité de finition plutôt agréable, pas trop de jeu nulle part. Les matériaux bien finis, pas de marque qui dépasse. Donc vraiment une base pour construire un upgrade plus costaud qui peut, je pense, donner un résultat assez sympa. Donc ma foi, je pense qu'on a fait le tour là-dessus. Donc je remercie encore une fois Cybergun qui me fournit cette réplique afin de pouvoir vous en faire la vidéo de présentation. Comme d'habitude, si vous avez des questions, des remarques ou des commentaires, l'espace commentaire de la vidéo est fait pour ça, donc n'hésitez pas. Pensez, comme toujours, à liker, à partager la vidéo et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous dis merci d'avoir regardé. Salut, salut, airsoftez bien et à la prochaine!